Monsieur le député Lauture Franck. Monsieur le député Lauture Franck. Monsieur le député Le Temps Daniel. Monsieur le député Lochard Jean-René. Monsieur le député Loiseau Curolo. Monsieur le député Louis Franzi. Vous vous souvenez, j'ai signé. Je suis là. Monsieur le député Louis Franzi. Monsieur le député Louis-Joseph Manès. Monsieur le député Louis Jovenel. Monsieur le député Luméran Jean-Marcel. Madame la députée lundi Saint-Jean Marie Gladys. Monsieur le député Mathieu Vilma. Monsieur le député Mathurin Smith. Monsieur le député Morancy Freud. Monsieur le député mercredi Jean Bénissois. Monsieur le député Milien Roger. Milien Roger. Monsieur le député Milien Roger. Absent. Il va là. Monsieur le député Moïse Jean-Michel. Monsieur le député Noël C. Baudelaire. Monsieur le député Norzéus Patrick. Monsieur le député Olivier Winchell. Monsieur le député Olivier Winchell. Monsieur le député Austin Pierre-Louis. Monsieur le député Papillon Wolf. Monsieur le député Parvilus Philippe. Monsieur le député Paul Lorméus Gérard. Monsieur le député Périlus Worms. Monsieur le député Petit Frère Elians. Monsieur le député Pierre Bélange. Monsieur le député Pierre-Claude Leslie. Monsieur le député Pierre Lemaire. Monsieur le député Pierre Micalerme. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Piton Fred. Monsieur le député Premier Le Man. Monsieur le député Printemps Bel-Hiver. Monsieur le député Prophète Esaïe.
Monsieur le député Raphaël Salem. Madame la députée Rival Raymond. Monsieur le député Robert Clovy. Monsieur le député Woops Jacqueline. Monsieur le député Séphore Denis. Monsieur le député, c'est Louis-Michel Jacques. Monsieur le député, c'est Jean Gérard. Monsieur le député, Semerzier Joël. Monsieur le député, Sinal Bertrand. Monsieur le député, Sinal Bertrand. Monsieur le député Smith Romial. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tanis Tertius. Monsieur le député Tardieu Thierry. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Théramène Gérard. Monsieur le député Toussaint Ronald. Monsieur le député Vériquin Joseph Antonio. Monsieur le député Victor Profane. Monsieur le député Wilpol Herman. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 107 députés. Merci. Le quorum étant constaté, je déclare ouverte la séance spéciale qui concerne l'interpellation du Premier ministre et de son gouvernement. Donc rapidement, pour fixer les règles du jeu, je vous rappelle que l'ordre du jour a été rédigé conformément à la Constitution et nos règlements intérieurs. Donc, en ce sens, l'ordre du jour ne sera pas mis en débat. L'ordre du jour ne sera pas mis en débat. Donc, merci de distribuer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Secrétariat général, avez-vous, oui ou non, distribué l'ordre du jour?
Je rappelle que c'est une séance spéciale. Merci. Nous demandons au secrétariat général de distribuer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Et je rappelle que cette séance, c'est une séance d'interpellation. C'est une séance spéciale d'interpellation qui ne concerne en réalité que le sujet du jour. Merci. Secrétariat général, activez-vous, s'il vous plaît. Soyez plus proactifs. Dans ça qui depuis moi qui était adressé 16 députés sont adressés correspondants ça depuis moi avril 2018 et tout de suite après que chambre des députés a lui-même été retourné et saute en vacances côté que monsieur Damio lui-même était rentré dans deuxième session législative Bouanéa et bien en conférence des présidents. C'est l'en parler en conférence des présidents, c'est-à-dire en conférence de présidents de chaque commission, mettez ensemble avec membres du bureau, il était fixé séance d'interpellation ça pour jeudi 28 juin 2018 là et tout de suite après que le film parce que là il était fini fait appel nominal là j'ai dit là il fait il informe que il y a 107 députés qui présents président chambre des députés a parlé de honorable député et Gary Baudot et député circonscription Delma qui lui-même lui était demandé à ce que secrétariat général là lui-même était capable de communiquer à chaque grain député qui présente à l'Assemblée dans la salle là ordre du jour là elle connaît que ordre du jour ça je ne connais qui c'est un ordre du jour qui selon les prescrits de la loi là nous voulons faire référence à et constitution là nous dans article 129.2 côté que Jean l'a spécifié en dedans article ça il dit que c'est un droit que chaque branche dans parlement gagne pour capable convoquer pour capable interroger ou du moins pour capable interpeller le gouvernement et bien que Jean fixé là là faut dire que décolle à l'y planté parce que là et déjà il y a un espace qui est réservé à membres gouvernement et un espace qui est réservé à 16 députés interpellateurs et reste assemblée à lui-même lui déjà présent faut dire que là automatiquement que yo fin distribuer et ordre du jour là ordre du jour Jean président Gary Baudot tout préciser là c'est pas un ordre du jour qui soumet à que on pourra soumettre à l'assemblée pour capable voter parce que son jeudi à son séance qui assez spéciale pour la CP bonne raison que son séance côté que sous demande 16 députés yo interpellé gouvernement jeudi à la chambre des députés et là il faut signaler que je ne dis là et article 129.2 de la constitution 1987 là c'est même qui dit que droit pour capable questionner interpeller un membre ou bien tout gouvernement en entier et sous fait ou bien action que l'administration pose c'est un droit que yo reconnaître by quel que soit branche dans le parlement et Jean si n'a poursuivi avec article 129.3 lui-même il dit que demande d'interpellation li doit joindre et li doit joindre support 5 membres dans parlement là nous voulons parler de 5 sénateurs bien 5 députés et là si n'a envie parler mon yo si n'a envie partager avec téléspectateurs
ordre du jour là, son ordre du jour qui gagne 13 points, nous avons épuisé premier point qui c'est ouverture de la séance, deuxième point c'est lecture de la correspondance, troisième point qui c'est mot du président, et puis nous avons point 4 là, c'est côté que vous pouvez lire et tout article qui baille autorisation, du moins qui référé à séance, côté séance d'interpellation, ça, côté vous parlez d'interpellation et de responsabilité gouvernement. Donc, je vais prendre article 129 et suivant. Et dans le cinquième point, nous avons lecture des articles 222 et suivant. Dans l'article ça, c'est côté où vous parlez de règlement intérieur de Chambre des députés a, qui a un rapport avec motion d'interpellation. A. Sixième point qui gagne, c'est côté où vous parlez article 202, 203, 204, 205. Merci. Tout genre dedans. Et point 7 là, c'est présentation motion d'interpellation. A. Ça y aurait les argumentaires là. Et c'est premier secrétaire là, Jean-Wilher Jean, qui pourra le faire. Merci. Lecture. Monsieur le Président, de motion d'interpellation de la proposition d'ordre du jour, s'il vous plaît. Intervention Premier ministre. Ordre du jour de la séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, jeudi 28 2018. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture de la correspondance. 3. Mots du Président. 4. Lecture des articles 129. 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, article 155, 156, 161, 163, 169, 169.1 et 172 de la Constitution de 1987 amendée sur l'interpellation et la responsabilité du gouvernement par devant le Parlement. 5. Lecture des articles 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 et 229 du règlement intérieur de la Chambre des députés sur la motion d'interpellation. Lecture des articles 202, 203, 204, 205 et 206 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Point 7, présentation de la motion d'interpellation. 8, intervention du Premier ministre. 9, intervention des députés interpellateurs. 15 minutes, article 75, 203 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 10, débat autour de la motion d'interpellation. 11, vote de la motion d'interpellation. 12, mot du Premier ministre. 13, clôture de la séance. Merci. Avant même de mettre en débat et la proposition d'ordre du jour, je propose à l'Assemblée d'enlever le point 7 et le point 8 devient le point 7 et le point 9 devient le point 8, ainsi de suite. Donc, j'accorde la parole d'abord au député Hermano. Merci. Honorable Président et membres du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, je vais essayer de garder point 6 là. Je vais insister sur l'ordre du jour qui n'a pas mentionné. Je vais lecture des articles 202, 203, 204, 205 et 206. Je vais voir qui côté. Est-ce que c'est dans le règlement intérieur ou bien c'est la Constitution? Ça veut dire bien dans la Bible. Ça veut dire là, nous avons aimé au moins nous dire. Dans quel document qui m'a puisé article 202A, 203, 204, 205 et 206. Deuxième, ça m'a essayé d'avancer. Moi, je vais au pièce côté, dans l'ordre du jour, qui dit que une délégation qui a formé pour aller chercher le gouvernement. Qui côté le gouvernement a montré, dans qui point il a montré, dans qui point il a montré. Est-ce que nous avons fait intervention sur le premier ministre Abala? Et c'est qui est-ce qui a répondu pour le Premier ministre? Madame le Président, regardez bien. Qui côté
mettez aux délégations qui pourra chercher le gouvernement, premier ministre et tout le gouvernement. Faites une proposition, Colin. Dans la séance. Merci. La parole est accordée à présent au député de Gangouave, l'honorable Luméran Jean-Marcel. Merci. Honorable président, distingués membres du bureau, collègues de l'Assemblée, collègues, s'il te plaît. Président, je rappelle que la parole lui est accordée, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, collègues. Président, séance aujourd'hui, son séance qui retenue l'attention de tout pays, quel que soit côtoyé, parce qu'elle concernait un gouvernement dans son ensemble. Ça veut dire, président, son séance qui mandait qu'on sorte de sérénité pour nous faire le bien. Président, il y a plus que 2 mois, 16 députés prend courage à 2 mains. Collègue Lumière. Ils ont demandé ou interpellé. Collègue Lumière. Non. Vous aurez le temps au niveau de la motion d'interpellation, au niveau également des débats. Vous aurez le temps d'intervenir. Donc, merci, président. Allez-y. Merci, président. Venez-en au fait. Lorsque vous pouvez présenter jeudi, après tout le temps, vous planifiez pour faire séance, ça comme porte du jour, président, moi pensez son irresponsabilité de la part du bureau ou du secrétariat général, chambre des députés. Moi, interpellateur, ou mettez premier ministre pour aller intervenir sur qui ça? Nous avons aimé que le bureau a dit, premier ministre pour aller intervenir à partir de quoi? Si m'interpellateur, ça veut dire moins que reprocher le premier ministre. Si je me reproche, comment quand je vais exprimer grief pour l'intervenir? Libre à l'intervenir, après je vais répondre. Je ne vais pas comprendre ça, mais le premier ministre là, fait une séance, il lui invite nous. Donc, président, nous avons souhaité que le bureau lui arrange avec le secrétariat pour proposer à l'Assemblée un ordre du jour en bonne et due forme. Principe, président, c'est interpellateur pour présenter d'abord l'acte d'interpellation. Sur la base de cet acte d'interpellation, on va demander au premier ministre de réagir. Après, on va ouvrir les débats et à ce moment-là, on avance. Mais comme collègue Lumière, je crois au moment de donner lecture, par exemple, de l'ordre du jour, j'avais demandé de permuter les points et d'enlever le point 7. Donc, je ne vois pas pourquoi vous... Non, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas le sens de votre intervention. Donc, bon, non, je ne vois pas le sens. Non. Donc... Nous n'allons pas passer tout l'après-midi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous n'en sommes pas encore là, collègues. Nous sommes à la proposition d'ordre du jour. S'il vous plaît. Donc, en attendant, la parole ne vous est pas accordée. Asseyez-vous. Merci, collègue Bossé. Merci. Donc, secrétariat général, merci de porter les corrections, s'il vous plaît. Secrétariat général. Merci. La parole est accordée au député Baudelaire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, nous bien contents que le Président t'ait ravisé de soumettre l'ordre du jour à débat, parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut corriger. Après la première intervention, le Président fait une proposition, demander carrément pour enlever point 7 là, alors que c'est point 7 là qui pour supposer lancer débat. Par contre, qui point l'admettre, mais présentation de la motion d'interpellation par un député interpellateur, ça c'est une condition sine qua non, président. Deuxièmement, président. Un instant. Lisez le point 7 pour l'Assemblée.
Puisque nous sommes devant les caméras, il faut donner lecture du point 7. Merci, allez-y. Ok, il y a déjà un écart au point 7. Honnêtement, président, on a demandé d'enlever. Ok, honnêtement, président, je vais lire sans vouloir associer mon collègue le premier secrétaire à la démarche d'interpellation. Point 7 de l'ordre du jour proposé. Présentation de la motion d'interpellation par le premier secrétaire Jean-Willer Jean. Article 202 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Merci, monsieur le président, de m'avoir invité à lire ce point 7. Parce que justement, l'article en référence est mal situé. Très très mal situé. Pour les collègues qui ont en main le règlement intérieur, c'est pas dans le contexte de cette séance. L'article 202 et suivant jusqu'à 206 font partie du chapitre 15 qui parle du contrôle parlementaire par des questions écrites ou orales adressé au gouvernement en séance. Alors que la séance d'interpellation est débattue, est prévue. Alors que la séance d'interpellation. Un instant. Je rappelle aux collègues Bossé, aux collègues Abel et aux députés interpellateurs que la parole a été accordée au député Baudelaire. Merci. Et la démarche d'interpellation est plutôt prévue au chapitre 16. J'invite le président et le bureau à se renfermer dans le cadre de ce chapitre. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention du secrétaire général sur le point 9, où il est dit 15 minutes sont accordées aux députés interpellateurs. 1. Nous sommes 16. Accorder 15 minutes aux députés interpellateurs reviendrait à dire que vous nous baillonnez. Deuxièmement, encore une fois, Cette question de 15 minutes est plutôt prévue au chapitre 15, monsieur le secrétaire général. Nous sommes dans une démarche d'interpellation qui est prévue à l'article 16. Et les députés interpellateurs doivent avoir toute la latitude nécessaire pour déployer leurs moyens. Merci, monsieur le président. Merci. Et sur ce, je propose au secrétariat général de faire les corrections nécessaires. Donc, puisqu'il y a eu débat sur la proposition d'ordre du jour, donc la proposition d'ordre du jour avec les modifications, le point 7 a été enlevé de l'ordre du jour. Merci, secrétaire général, de prendre les dispositions qui s'imposent afin que nous puissions poursuivre avec la séance du jour. Donc, nous ne sommes pas encore au point culminant. Attendez qu'on vous accorde la parole. On est encore à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, collègue Guy Gérard Georges, ancien député de votre État. Merci de porter les corrections appropriées. Vous faites office ici de secrétaire général. Merci. Ça va faire là. Merci, puisque l'ordre du jour a été déjà mis en débat. Il est en débat déjà. Ok. Non. Il est en débat déjà. Merci. Donc, la parole est accordée au député Esaü. Je pense que ce sera la dernière intervention. Ce sera la dernière intervention. Après, nous allons consulter l'Assemblée. Merci. Merci.
Collègue Zay, s'il vous plaît. Honorable président, membre du bureau, chers collègues, président, là où prend la parole pour commencer séance là, ou dit que ça c'est une séance spéciale. Ordre du jour là, n'est pas sujet à débat. C'est ça on dit. Si toutefois. Laissez terminer le député, s'il vous plaît. Président, si vous changez de position, si vous changez de position, vous venez trouver que il y a une modification qui doit être faite dans l'ordre du jour là, qu'on y a c'est pour dire ouvertement que vous changez de position et que nous mettez à débat. Qu'on y a si nous mettez à débat, vous fin prend proposition. Collègue Zahir, je peux faire une intervention pour clarifier? Bien sûr. Effectivement, l'ordre du jour qui avait été proposé a été proposé conformément à la Constitution et nos règlements intérieurs. Cependant, il y a eu une erreur qui s'est glissée au niveau de la dactylographie, par exemple, qu'on a fait au niveau du secrétariat général. Donc maintenant, je vais consulter l'Assemblée pour qu'on puisse poursuivre avec la séance du jour, avec les modifications qui doivent être abordées. Ça clair, ça veut dire qu'on y a donc, si on peut faire correction dans l'ordre du jour là, seule l'Assemblée est souveraine. Bien sûr, donc, ça veut dire que le député interpellateur au Mandéa, il prend le sujet à vote au niveau de l'Assemblée. Faut être clair sur ça. Ce n'est pas ça qu'on dit à l'ordre du jour et puis pour l'ordre du jour à adopter. Ça qu'on dit à la porte de la donne et puis nous allons passer au vote. C'est soit assemblée à d'accord ou pas. Je veux faire ça clair. Merci. Donc, la proposition d'ordre du jour avec les modifications. Je demande au premier secrétaire de... Un instant, s'il vous plaît. Vous aurez le temps d'intervenir. Avant de consulter l'Assemblée, nous allons demander au premier secrétaire Jean-Willier Jean, député de Croix-des-Bouquets, de donner une seconde lecture. On va lire d'abord. Vous n'êtes pas celui qui dirige la séance. Bossé, je suis désolé. Vous ne menez pas la séance. Allez-y. Merci, secrétaire Jean-Willier Jean. Merci de procéder à lecture, de procéder à une seconde lecture de la proposition d'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, une seconde lecture de la proposition d'ordre du jour. Allez-y. Proposition d'ordre du jour de la séance d'interpellation. Proposition d'ordre du jour de la séance d'interpellation du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, jeudi 28 juin 2018. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture de la correspondance. 3. Formation d'une délégation chargée d'aller chercher les gouvernements à la salle des commissions. 4. Mot du président. 5. Lecture des articles 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 155, 156, 161, 163, 169, 169.1 et 172 de la Constitution de 1987 amendée sur l'interpellation et la responsabilité du gouvernement par devant le Parlement. 6. Lecture des articles 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 et 229 du règlement intérieur de la Chambre des députés sur la motion d'interpellation.
7, lecture des articles 202, 203, 204, 205 et 206 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 8, présentation de la motion d'interpellation par les députés Jean-Marcel Luméran. 9, intervention du Premier ministre. 10, intervention des députés interpellateurs. Article 75, 203 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 11, débat autour de la motion d'interpellation. 12, vote de la motion d'interpellation. 13, clôture de la séance. Merci, Premier secrétaire, de donner une troisième lecture, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une troisième et dernière lecture. Proposition d'ordre du jour de la séance d'interpellation du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, jeudi 28 juin 2018. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture de la correspondance. 3. Formation d'une délégation chargée d'aller chercher les gouvernements à la salle des commissions. 4. Mots du président. 5. Lecture des articles 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 155, 156, 161, 163, 169, 169.1 et 172 de la Constitution de 1987 amendée. Sur l'interpellation et la responsabilité du gouvernement par devant le Parlement. 8, alors 6, présentation de la motion d'interpellation par le député Jean-Marcel Luméran. 7, intervention du Premier ministre. 8, intervention des députés interpellateurs. 11, débat autour de la motion d'interpellation. 10, débat autour de la motion d'interpellation. 11, vote de la motion d'interpellation. Et puis 12, clôture de la séance. Merci. Sur ce, sans débat, la proposition d'ordre du jour est mise au vote. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. La parole ne vous est pas accordée. Merci ceux qui sont pour la proposition d'ordre du jour avec les modifications apportées par les honorables députés Baudelaire, Luméran et Esaü. Donc, sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité adoptée. Merci. Premier secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Merci. Lecture de la correspondance. Avant la lecture de la correspondance, je demande au député Gladys Saint-Jean, au député Benoît Laguerre et au député Benoît Jean-Guerrier de bien vouloir se rendre au salon diplomatique pour aller chercher le gouvernement, s'il vous plaît. Merci. Donc, en attendant, la séance est suspendue pour quelques minutes. Merci. Et voilà, amis téléspectateurs, la séance la frontière interrompt parce que là, sous demande de l'Assemblée, j'ai ça toujours fait.
côté que une délégation de députés qui pral déplacer pour aller recevoir et puis venir accompagner gouvernement venir dans sa séance là. Et là faut signaler que déjà séance là séance ça qui déjà commencé et arrivé dans point 2 dans ordre du jour là. Faut signaler que tu es premier ordre du jour, tu es proposition et par la suite tu as pas intervention trois députés qui t'a pas fait des propositions, d'autres suggestions, et après que tu as fait une consulter assemblée à suggestion ça t'a pas adopté par l'assemblée. Et il faut signaler que après tu as fait appel nominal là, il t'a informé qu'il y a 107 députés qui présents pour séance assez spéciale ça, séance d'interpellation premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui accompagné de tout membre dans gouvernement qui t'a dû venir répondre à question que et député yo même yo t'a gain pour poser. Il faut signaler que jeudi 28 là, et là séance ça qui paraît une séance assez spéciale pour la simple bonne raison que depuis 48e nous capable rappeler tout le monde que depuis 48e législature là jusqu'à 50e ça pour que j'aime gain un gouvernement qui interpellé. Et je dis à c'est ça qui fait une activité qui fait parler que c'est une séance qui assez spéciale côté que Jean Noël là il y a une délégation formée de trois députés ça eux-mêmes qui pral aller dans salon diplomatique et chambre des députés pour aller recevoir et puis accompagner le premier ministre Jacques Guy Lafontaine, accompagner des membres de son gouvernement qui pourra le faire rentrer dans la salle de séance chambre des députés. Et là, il faut dire que dans l'ordre du jour là, son ordre du jour qui gagne jusqu'à 13 points. Et parmi points ça, nous gagnons et côté que les 16 députés qui font interpellation, eux-mêmes, ils bien pour capable venir faire exposer ou du moins motif interpellation. Et là, après motif d'interpellation, le premier ministre lui-même a bien possibilité pour le capable réagir, pour le capable faire intervention parle. Et ensuite, c'est monsieur dame 16 députés interpellateurs qui a reprendre micro pour capable réagir. Et après c'est pour le débat. Et faut signaler que séance ça li spécial pour la simple bonne raison que son séance qui t'a de déboucher côté que après vote là c'est ou bien chambre des députés a li renouveler confiance li dans gouvernement ça ou du moins li pas fait li bal yon motion de censure là veut dire que yo pas fait confiance. Et là c'est ça capable dit là nous parler de renvoi mais il y a un bonheur pour nous parler de verdict qui a tombé dans séance ça pour la simple et bonne raison que là nous à peine épuisé point 1 non ordre du jour là côté que c'est seulement séance qui l'ouvre en attendant que l'autre 11 ou bien 12 points qui en dedans ordre du jour ça lui-même lié épuisé. Mais ça qui est certain hein, je ne connais là 107 députés présents jeudi à pour séance d'interpellation et gouvernement et Jacques Guy Lafontaine et il y a un séance lui-même lui l'ouvre et déjà gagnon délégation formée de 3 députés et qui gagne en tête lui député commune Jérémien, nous voulons parler de député Gladys qui rendez-vous dans le salon diplomatique chambre des députés pour accueillir et puis accompagner membre gouvernement qui gagne en tête le premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui vient pour capable venir répondre question par d'abord 16 parlementaires qui 16 députés qui fait interpellation et ensuite d'autres parlementaires qui t'a gagné l'autre grief. Mais ça qui est certain, jusqu'à présent, ambiance dans la salle député, ils sont ambiance qui, jusqu'à présent, sont ambiance qui normale. Et députés entre eux-mêmes, ils ont concerté, ils ont parlé. En attendant, l'arrivée délégation gouvernementale là, je ne dis là, côté que, une délégation de 3 députés qui rentre dans le salon diplomatique là pour aller recevoir les membres du gouvernement avec nos têtes. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine et nous capables constater sur outil écran nous là c'est membre gouvernement qui commence à faire entrer au dans salle de séance chambre des députés à côté que premier ministre lui-même l'a salué membre bureau et n'a parlé de premier ministre Jacques Guy Lafontaine lui-même qui a salué membre bureau pendant que membre dans gouvernement lui-même il y a
prend place, il prend place dans l'espace qui était réservé pour vous. Et j'en toujours dit là, et l'Assemblée a lui-même. Et il faut signaler que 16 députés qui font interpellation eux-mêmes, ils ont mobilisé pendant que le reste membre de la majorité eux-mêmes, ils ont été très confiants, très fermes. J'en ai commencé à faire dans la presse. Et là, son séance, côté que le pays en entier à suivre et la TNH, by Tetli, obligation pour aider chaque monde vivre séance à partir de Tiekan, quelque chose à côté, trouver dans le monde pour capable suivre comment séance d'interpellation ça lui-même l'a déroulé depuis le Parlement haïtien sous bicentenaire. Et il faut rappeler tout le monde que là, et c'est le gouvernement lui-même qui a pris place. Et les n'ont gardé défilé à nous capables de dire que c'est le gouvernement en son entier qui est présent. Qui est présent là, Premier ministre qui est en prend place. Et le temps que tout reste membre du cabinet ministériel là, ou même installé au Premier ministre, les mêmes lignes sont en place, le temps que séance en reprendre, séance qui t'a dû, j'aime dire là, reprendre côté député interpellateur, ou même y a bien pour capable faire exposer motifs d'interpellation, yo, et après exposer des motifs d'interpellation, c'est pour tout Premier ministre, les mêmes cap bien pour capable faire intervention par, et de là, débat ou pour commencer. Et là, bien avant que nous arrivions là, son séance que j'ai dit là, qui est c'est seulement point 1, conscience qui est 13 points, mais jusqu'à présent c'est seulement point 1 qui épuisé là, qui était obligé pour une suspension de séance du temps que délégation... Nous demandons aux honorables députés de prendre place, s'il vous plaît, ainsi que nos invités. Sénateur Cantave, merci de prendre place. Merci aux collègues, s'il vous plaît, prenez place, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, collègues de la majorité, Hippolyte, Lochard, Judjan. Nous demandons à notre King Kino national de s'asseoir, s'il vous plaît. C'est un artiste très connu. Merci. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci. Donc, la séance est reprise.
Donc nous demandons aux honorables députés et gentiment de regagner leur place, s'il vous plaît. Collègue Leman, collègue Beauville, collègue Delacrousse, Francisque, collègue Claude Leslie, collègue Fitchéry de Gourmon, collègue Lochard de Carrefourfeuille, collègue Mélange, s'il vous plaît, collègue Leman, collègue Jacques Saint-Louis. Merci. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci, premier secrétaire, de donner lecture du prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Point 2, lecture de la correspondance. Port-au-Prince, le 27 juin 2018. Honorable Gary Baudot, président de la Chambre des députés, en ses bureaux. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'à la demande du président du Sénat, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. Jean-Marie Reynaldo Brunet, a été désigné en tant que membre de l'exécutif pour accompagner du 28 juin au 10 juillet 2018 la délégation sénatoriale devant participer à titre d'observateur aux prochaines joutes électorales qui se tiendront au Mexique. À cet égard, M. Brunet ne pourra être présent à la séance d'interpellation du 28 juin 2018. J'ai saisi l'occasion pour renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Jacques-Guy Lafontaine. Port-au-Prince, 21 juin 2018. Monsieur Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre, primature en ses bureaux. Monsieur le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 156 et 161 de la Constitution de 1987 amendée, j'ai l'honneur de vous annoncer votre interpellation. Cette mesure fait suite à la réception d'une correspondance d'un groupe de 16 honorables députés. Dans cette perspective, accompagné de votre cabinet ministériel, il vous est demandé de vous présenter à la salle des séances de la Chambre des députés le jeudi 28 juin 2018 à 3h p.m. Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma plus haute considération, Gary Baudot, résident. Port-au-Prince, 27 juin 2018. Monsieur Gary Baudot, président de la Chambre des députés, en ses bureaux. Monsieur le Président, en référence aux dispositions des articles 129.2, 129.3, 129.4 et 129.5 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée et à celle des articles 222, 223, 224, 225 et 226 du règlement intérieur de la Chambre des députés, les députés signataires de la présente ont l'honneur de porter à votre connaissance qu'ils entendent interpeller et comme de fait, il interpelle le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, pour les raisons suivantes. 1. Les graves violations de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. 2. Les graves violations de la loi Finances 2017-2018. 3. Les cas flagrants de corruption reprochés au gouvernement. 4. Le non-respect de sa déclaration politique générale. 5. La mauvaise gouvernance généralisée. Espérant que vous allez vous conformer aux dispositions précitées dans les plus brefs délais, les députés signataires vous prient de recevoir, Monsieur le Président, leurs salutations distinguées. Suivent les signatures Jean-Robert Bossé, Joseph Manès-Louis, Déise de Ronette, Bertrand Sinal, Garnier Vicarson, Rénal Exantus, Jean-Marcel Luméran, Roger Mélien, Claude Guillaume, Apollon Hunel, Abel Descollines, Claude Alcide Audenay, Julien Fiquière, Baudelaire Noël Saint, Jean-Gabriel Lionel, Smith Romial. Port-au-Prince, 27 juin 2018, M. Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre, primature en sa bureau.
objet motif d'interpellation. Monsieur le Premier ministre, Madame Crézan, j'ai l'honneur de vous présenter le motif de votre interpellation. 1. Grave violation de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. 2. Grave violation de la loi de finances 2017-2018. 3. Cas flagrant de corruption et procès au gouvernement. 4. Non-respect de votre déclaration de politique générale. 5. Mauvaise gouvernance généralisée. Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma plus haute considération, Gary Baudeau, président. Port-au-Prince, le 21 juin 2018, honorable député Gary Baudeau, président de la Chambre des députés en ses bureaux. Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance du 21 juin 2018, par laquelle vous m'informez de mon interpellation conformément aux dispositions de la Constitution de la République, respectueux des principes constitutionnels liés à la fonction de Premier ministre. Je me présenterai à la Chambre des députés avec ensemble des membres du gouvernement à la date fixée, soit le 28 juin 2018 à 3h p.m. pour répondre à l'interpellation des honorables parlementaires. J'ai saisi cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Port-au-Prince, le 27 juin 2018. Monsieur Gary Baudeau, président de la Chambre des députés en ses bureaux. Monsieur le Président, donnant suite à la correspondance des honorables députés Joseph Manès-Louis, Jean-Robert Bossé, Roger Mélien, Printemps Bélisère, Bertrand Sinal et Jean-Marcel, nommés à l'occasion du récent remaniement, sont des comptables des faits ou du droit, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, à l'honneur de vous saluer et de vous informer qu'en référence aux dispositions des articles 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28 et 33 de l'arrêté du 16 février 2005 et de celles des articles 42 et 43 du décret du 17 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'administration centrale de l'État sont comptables de deniers publics. Les citoyens 1. Rinaldo Bouinet, ex maire de la commune de Carrefour pour la période de septembre 2014 à juin 2016. 2. Jean Roudi Ali, ex-directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour la période de mars 2012 à mars 2017. 3. Jobert Cépoint un grand ex-coordonnateur général de l'Institut national du café d'Haïti, INCA. À ce titre, il avait droit des signatures qu'il a exercées sur le compte numéro 1212-50786, domicilié à la Banque de la République d'Haïti, BRH. En ce qui concerne M. Guy Cépoint Delva, ex-responsable de la commission d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats des journalistes en 2007 et ex-secrétaire d'État à la communication en 2012, sachant que la Cour, en analysant la gestion de M. Adi Jean Gardi, ministre à la communication pour la période allant du 13 mai 2012 au 23 janvier 2013, ne l'a pas retenu comme comptable des faits pour cette période. Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de responsable de la dite commission, M. Delva est comptable des faits pour avoir reçu du Trésor public les fonds nécessaires pour le fonctionnement de sa commission. Le président du Conseil saisit l'occasion pour vous renouveler, M. le Président, l'assurance de sa haute considération. Harold Elie, président du Conseil. Merci, M. le Président. Merci, Premier Secrétaire, de donner lecture de l'article 161 de la Constitution, s'il vous plaît. Article 161. Le Premier ministre et le ministre ont leur rentrée aux chambres pour soutenir les projets de loi et les objections du président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations. Merci.
Non. Merci, merci par rapport à la correspondance qui avait été lue par l'honorable député William Jean, qui concerne quatre ministres qui ont été indexés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. J'appelle les quatre présidents de bloc pour consultation. Merci. Donc l'autre suspension, et fois ça, et c'est tout de suite après au fin et épuisé point de vue à qui c'est lecture de correspondance. Et si nous voulons consultation, côté que président Garibodo lui-même, il est les quatre présidents, c'est-à-dire quatre présidents de quatre blocs députés qui viennent dans la chambre députée à pour être capable de consulter eux, par rapport à la dernière correspondance que. Et la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif t'a adressé parce que les rappelé que 16 députés interpellateurs ont demandé à ce que 5 nouveaux ministres qui étaient intégrés au cabinet ministériel après remaniement, 16 députés ça eux-mêmes ont demandé à ce que gain lumière qui fait sur dossier 5 ministres ça pour qu'on ait est-ce que eux-mêmes ils étaient des gestionnaires et de fait du moins c'est des ordonnateurs de deniers publics, eh bien, et la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif, lui-même, il a fait réponse, côté que lui fait connaître que parmi 5 personnes qui ont été citées, qui ont été ciblées à travers la correspondance, c'est seulement 4. Et j'appelle également le député indépendant, des ordonnateurs de fait, indépendant du moins ici des, à la Chambre des ordonnateurs de gestion qui ont été. Et là, suite à la correspondance, là, suite à correspondance ça, député Garibodo lui-même, il fait appel à sagesse quatre présidents de bloc yo, pour mander yo, pour consulter yo, et mander pour capable consulter yo et garder qui suite qui pral gagner et pour séance ça qui incident qui pral gagner sous. Et faut rappeler que là les faut rappeler que en plus de quatre présidents de bloc yo, président Garibodo lui-même lui souhaitait joindre et député indépendant. Et elle connaît que et si nous voulons référer à liste qui gagne, liste qui est disponible dans la chambre des députés là, c'est seulement un seul député qui est indépendant là. Nous voulons faire référence à député Jean-Marcel Luméan, député de Grand-Guape. Et là, et président de bloc lui-même, il est déjà présent en consultation avec le président Garibodo pour qu'on ait comment il a apprécié correspondance que la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif est voyez by chambre des députés à côté que il t'a fait connaître que parmi les 5 et nouveaux ministres que 16 députés eux-mêmes y ont été longés d'ouette sous yo, et bien c'est seulement 4 qui eux-mêmes étaient des ordonnateurs. Et là faut dire que c'est en ça pour l'autre fois il subit deuxième pose ou du moins deuxième arrêt. Et il faut dire que jusqu'à présent, l'Assemblée a, nous capable de dire, si nous avons gardé comportement et chacun député, que ce soit député interpellateur, que le député qui a appuyé, qui ouvertement a appuyé le gouvernement, et bien jusqu'à présent, ambiance là, ils sont en bonne ambiance et tout le monde dans la mesure du possible a fait consultation, il a concerté pour garder comment c'est ça lui-même qui a débouché et dans un sens ou bien dans l'autre. Mais ça qui est certain, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que là, nous avons épuisé deuxième point dans l'ordre du jour. Là, on ordre du jour qui gagne 13 points là-dedans. Et là, nous avons parti pour le deuxième point, côté que nous avons fait lecture toute correspondance que et des institutions de l'administration publique adressées au bureau de la Chambre des députés. Et là, deuxième, premier secrétaire, là, lui-même, il se fait lecture de toute correspondance à eux. Et c'est tout de suite après lecture de correspondance à eux que suspension de séance, la deuxième suspension de séance, ça prend sous demande président bureau. Nous voulons faire référence à l'honorable Garibodo. Et là, c'est en façon pour être capable de concerter, pour être capable de consulter quatre présidents de bloc, de députés qui trouvent dans la chambre des députés, plus Jean-Marcel Luméan qui lui-même
li représente groupe des députés indépendants yo, et la consultation yo li même la poursuit en attendant que séance en li reprenne. Mais ce qui est certain, faut nous rappeler que déjà membre gouvernement et chef gouvernement accompagné de cabinet ministériel là li présent, yo tout présent dans l'assemblée a, yo déjà prend siège, yo déjà prend place le temps que séance là li reprendre côté que chaque point yo a bien prévisé et là et je dis là après consultation ou du moins après concertation entre les présidents des blocs, après consultation avec ces présidents là, c'est sûr que pour quelqu'un une disposition qui prend, je vais rappeler plutôt que c'est suite à correspondance que la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif t'a adressé et à Chambre des députés, à Bureau Chambre des députés, sous demande que 16 députés ont été faits pour qu'on ait statut, qui statut 5 nouveaux ministres qui intègrent le cabinet ministériel là, t'a gagné. Et c'est suite à réponse de la Cour supérieure des comptes que député Gary Bodo lui-même lui fait de suspension. J'ai appelé les 4 présidents de bloc. J'ai appelé les 4 présidents de bloc. Et voilà, Jean, au même capsule depuis la CAO. Là, c'est en plus de quatre présidents de bloc, mais il y a plusieurs autres députés eux-mêmes qui réunis autour de président Gary Bodo. Question pour capable soit venir tendre, soit venir connaître qui s'est capable de décider. Et là, nous sommes capables de dire que c'est là, débat, comment débat a commencé à chauffer. Le commencé à chauffer. Le temps que séance en reprenne. Et tout de suite après que tout de suite après consultation du président bureau député chambre des députés avec reste membre reste président bloc parlement Perio en dedans chambre des députés. Merci quoi le rapport président. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci. Oui, oui. Prenez place, et abrêtez. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Personne signale pour tout le monde que là, en plus, faut rappeler tout le monde que 4 blocs, nous avons APH, et puis nous avons bloc OPL et Allier, Vérité et Allier, et nous capables de dire le groupe des 16 qui constitue comme le bloc de l'opposition. Et là, c'est sous demande des députés Gary Bodo, il était invité 4 présidents, c'est-à-dire 4 présidents de 4 blocs SAO pour rejoindre sous tribunal, rejoindre sous tribunal, accompagné de Jean-Marcel Luméran lui-même qui part dans aucun bloc en dedans la Chambre des députés. Et comme cinquième personnalité qui t'a rejoindre sous tribunal, question pour être capable de concerter autour de dernière correspondance à que.
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a voué bail Chambre des députés a comme réponse suite à correspondance que je viens de rappeler la 16 députés t'a voué mandé pour qu'on ait statut 5 nouveaux ministres qui intégré gouvernement récemment. Et là, c'est de là que suspension sera capable d'observer. Et jusqu'à présent, nous trouvons encore une suspension pour la simple bonne raison que, en plus de cinq personnalités, ça que le président Garibodo t'a demandé pour capable de rejoindre lui, mais il y a plusieurs autres députés eux-mêmes qui t'ont emboîté le pas, vin masser autour de bureau, hein, et ça n'a pas créé une sorte de cacophonie, et ça n'a pas créé une sorte de échauffement dans l'esprit, dans mitan l'esprit, aux gens débat bien, on dit gens et lever chaleur dans l'environnement, mais pour le moment, et ces concertations entre président de chambre député avec les présidents de bloc, le temps que c'est en train de reprendre pendant que j'en attendais en background, c'est le président lui-même qui a demandé sérénité, plus calme dans le temps député, le temps que c'est en train de reprendre. Et j'en connais là son séance qui est assez spéciale pour la simple bonne raison. Jeudi à son séance d'interpellation, côté que Premier ministre Jacques Guy Lafontaine l'a bien pour capable venir répondre à question plusieurs non députés ont besoin de réponse, besoin de lumière sous un pile bagaille que envie qu'on ait, que ou pas qu'on ait. Mais ça qui est certain, jusqu'à présent, Télévision Nationale d'Haïti, nous toujours non Parlement haïtien, spécialement dans la salle des séances, Chambre des députés, a, et côté que là, Jean Abdila n'a pas observé une suspension de séance le temps que séance n'a pas reprendre. Là, nous tenons point 2. Dans l'ordre du jour, ça, y a un ordre du jour, j'en rappelé Mounio qui a 13 points là-dedans. Et parmi 13 points, ça, nous avons épuisé 2 là-dedans. C'était ouverture de la séance et la lecture des correspondances. Le temps que vous fait exposer 16 députés interpellateurs, vous fait exposer des motifs d'interpellation. Pour le Premier ministre lui-même, il est capable de faire intervention, parle pour ensuite les 16 députés interpellateurs capables de réagir et qu'on ça pour avoir un débat et tout de suite après débat, c'est pour la discussion, tout ça. Mais ça qui est certain, jusqu'à présent, séance, il commence avec présence 107 députés et pour le moment, et tout de suite après consultation, c'est Nathan. Et qui sa consultation avec les quatre présidents des blocs bail avec président Buoa pour nous connaître qui suit y a bail à séance ça. Mais ça qui certain j'aime souligner pour même cap garder soutien qu'on là nous depuis bicentenaire, nous depuis salle de séance et chambre des députés à côté gouvernement là en son entier li présent dans salle de séance là avec chef gouvernement qui déjà prend place les questions pour capable venir répondre à question chaque grain député gagné, chaque grain parlementaire gagné pour poser jeudi à dans séance assez spéciale ça séance d'interpellation ça jeudi 28 juin 2018 là on séance qui commencé ça fait déjà plus d'une heure depuis le commencer. Et voilà, si nous retournons sur séance ça, et ça qui est certain pour nous rappeler pour tout le monde, c'est que séance ça, son séance, et j'aime ce petit rappel là pour tout le monde, depuis 48e législature là, pour côté j'aime bien séance d'interpellation qui fait pour aucun gouvernement qui passe après 48e là, et là, 50e là, c'est 50e ça. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. La séance est reprise. Et voilà, j'entendais là. Merci de regagner vos places. La séance est reprise. Consultation est finie. Consultation est finie. Et concertation est finie tout. Séance, tu dois reprendre d'un moment à l'autre là, le temps que chaque grain député eux-mêmes, yo reprenne place pour capable, pour président capable prononcer et suite à
concertation, du moins consultation li sot genyen avec président de bloc yo. Et là nous voulons parler de quatre blocs politiques: APH, OPL et ses alliés, Vérité et ses alliés et le bloc de l'opposition. Et là tu n'as vu parler de prescrit constitutionnel yo, faut dire que et séance qu'a fait là son séance qui consacrée d'après article 129.2 constitution 1987 là qui baille quel que soit branche dans le parlement, que ce soit sénat ou bien chambre des députés, a droit pour capable qu'il y ait un membre dans le gouvernement ou du moins sous tout gouvernement en entier sous des faits ou du moins sous des actes que vous avez posé. Et si nous poursuivons dans 129.3, les mêmes, il dit que chaque fois yon branche dans le parlement li envie interpeller yon membre dans le gouvernement ou bien gouvernement en entier, li doit joindre signature 5 membres dans chambre ou du moins sport qui intéressé à. Et séance d'interpellation ça li même li doit aboutir à un vote de confiance ou du moins sur un vote de censure côté c'est majorité a qui doit voter. Là nous sommes des députés a, si n'a parlé de majorité, nous besoin 60 votes là, quel que soit votre kabbala, qui ce soit un vote de confiance ou du moins son vote de censure, doit gagner 60 députés qui votent soit pour ou bien contre. Et jusqu'à présent nous pouvons arriver dans point 2, dans point ça, nous avons loin pour arriver dans séance de vote là, mais ça qui est certain, je dis là séance en libre aboutit soit en vote de confiance côté que chambre députée a renouvelé confiance li dans premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec toute équipe gouvernementale là, ou du moins il y a ballon vote de censure ou ça relé un vote de non confiance. Et là et sinon après poursuivre avec article 129.4 là, il dit que après demande d'interpellation, si demande d'interpellation lui-même il aboutit sur ça relé un vote de non confiance et ça relé un vote de censure là. Et là, Premier ministre, lui-même la promette démission à président de la République là. Et Jean Précis constitutionnel l'a dit là, Jean, si nous voulons faire référence à article 129.4, constitution 1987 là. Et là, si la poursuivre toujours, la fin dit que 129.6 à lui-même, il dit que le corps législatif là, quel que soit branche, non, que ce soit sénateur ou bien député, il n'y a pas qu'à prendre, il n'y a pas qu'à interpeller plus que une fois un gouvernement ou du moins un membre dans le gouvernement. Et d'après poursuivre, vous dit que là, d'après 129.6, il dit que le corps législatif n'a pas qu'à prendre plus passer un vote de censure par année sur quelque soit question. Hein, ou du moins sous déclaration, sous ensemble déclaration politique générale gouvernement. Et il faut rappeler que là, et dans correspondance qui t'appelio, faut signaler que le premier secrétaire là, il était lié correspondance côté 16 députés été adressé à bureau pour faire part de l'idée projet au gain pour capable interpeller le gouvernement suite à un ensemble ou d'une série de questions qu'on a aimé poser. Et par la suite le bureau ensemble avec président chaque commission dedans et assemblée des députés a yon tapral réuni pour fixer une date et c'était jeudi 28 juin 2018 là que l'assemblée des présidents et conseil des présidents yo-même yo-té entendu pour capable faire séance d'interpellation ça et en séance d'interpellation j'ai noté souligné là j'ai te rappelé pour tout le monde qui était commencé avec présence 107 députés l'en rappelle que dans l'assemblée nous avons 119 députés mais c'est 107 qui présent pour capable commencer séance d'interpellation ça jeudi 28 juin 2018 ça. Et là, je viens dans des courses absonnées, c'est comme pour demander, monsieur, dame, député, reprendre place, garder camion, garder sérénité à le temps que séance n'est capable de prendre. L'en rappeler que suspension la parole vous sera accordée au moment opportun. Président Garibaudo lui-même était entré en consultation avec le président des quatre blocs. Là, nous voulons faire référence avec le président APH, qui c'est bloc majoritaire là, bloc qui a supporté les actions du gouvernement, OPL et allié, Vérité et allié, et le bloc de l'opposition. Mais ce qui est certain, député interpellateur, il y a déjà plus dans la salle là,
députés qui ont supporté l'action gouvernement, yo même yo dans salle là, les membres du gouvernement avec chef gouvernement, yo dans salle là, le temps que séance ça, lui même lui reprend depuis salle séance, chambre des députés, député Luméran, non, Port-au-Prince. Député Luméran, s'il vous plaît, député Hippolyte Jean Wilson, président de la majorité, merci de regagner vos places, chers collègues, chers honorables. Chers honorables parlementaires, merci, merci de prendre place, s'il vous plaît. Et sur ce, après consultation avec les quatre présidents de bloc et le député indépendant, nous demandons au premier secrétaire de donner lecture de l'article 118 de la Constitution et l'article 50 du règlement. 49 et 50 du règlement intérieur. Allez-y. Article 118 de la Constitution de 1987 amendé. Chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Merci. Article 49 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Les commissions spéciales peuvent être constituées par les bureaux de la Chambre des députés sur une proposition de résolution mentionnée l'objet de la commission, l'effectif de ses membres et la durée de ses travaux. Article 50. Les membres de la commission spéciale sont désignés par les bureaux sur proposition des présidents de groupe en tenant compte de la configuration politique de l'Assemblée. Les députés indépendants sont individuellement actes des candidatures auprès du président de la Chambre des députés. Puisque c'est un point de droit, nous n'allons pas débattre sur... Nous n'allons pas débattre. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Collègue Bossé, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un point de droit. Nous n'allons pas débattre sur un point de droit. Donc, il y a quatre ministres du gouvernement qui ont été indexés par la Cour des comptes. Donc, la Chambre des députés, ce soir, est officiellement saisie. Et sur ce, je vais créer une commission spéciale d'enquête avec la configuration politique de l'Assemblée pour analyser le dossier des quatre ministres concernés. Merci. Et sur ce... Nous demandons au président de bloc de soumettre les noms des honorables députés qui doivent faire partie de la commission spéciale d'enquête. Le bureau a tranché. Merci. Les spectateurs, j'entendais là, suite à la correspondance, la Cour supérieure du contentieux administratif t'a adressé comme réponse à la correspondance que 16 députés t'ont adressé pour demander statut 5 ministres qui t'ont intégré récemment et gouvernement, côté que d'après. Si n'a fait référence à la réponse à que la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif t'a fait by Chambre des députés, t'a vaqué 4 parmi 5 ministres, à l'exception de ministre Guy François, qui est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est unique ministre qui n'est pas indexé en dedans, correspondant à que la CSCCA voué by Chambre des députés. Il a, après consultation, après concertation avec le président des quatre blocs, bloc APH, OPLV, ITALIE, le bloc de l'opposition, et le député Jean-Marcel Luméran, qui lui-même, c'est l'unique député qui fait partie de députés indépendants, de groupes indépendants, eh bien,
et bureau a lui-même décidé pour mettre campé une commission qui a bien là-dedans, quatre députés qui a pour représenter et chaque député a pour représenter un bloc et nous sommes fait appel bloc déjà, chaque député a pour représenter un bloc et c'est président de chaque bloc lui-même qui a désigné qui est membre parmi bloc ça dans chaque bloc ça qui pourra le représenter bloc là en dedans commission spéciale ça qui pourra le charger pour capable prêter dossier cap ministre ça je ne sais dit là d'après ça correspondance pour super décotant et voyez bail chambre des députés à côté que ces quatre commissaires ça yo cap bien pour capable étudier dossier sous sa table avec quoi que ministre yo tava des ordonnateurs et qui t'a fait gestion l'argent ou pas pendant yo t'es occupé yon poste nan administration publique là. Pour le moment et nous en phase constitution commission spéciale ça cap bien pour al travail sous dossier 4 ministre yo qui indexé en dedans correspondance que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a adressé par Chambre des députés. Et le temps que non, le président Bloc a acheminé, non, mon y a voué représenté en dedans commission. Et tout de suite après, c'est pour la communication de non ça. Et automatiquement, c'est ça ne capable les constitutions de commission ça qui prend bien pour travail, pour bail, pour dresser rapport sous statut 4 ministres qui intégrent le gouvernement récemment après le remaniement ministériel qui s'est fait là. Et là, je te dis là, c'est le président Garibodo qui était concerté avec. Qui te concerté avec le président 4 blocs pour te connaître qui décision pour le prendre après au fin de faire lecture 4 correspondants et fin de faire lecture correspondant ça et il faut me dire que là jusqu'à présent et en pile concertation député eux-mêmes il a fait en pile va-et-vient en dedans assemblée et député il a regroupé qui sont pour capable concerter et prendre et connaît qui attitude qui comportement yo t'a gagné en dedans séance ça mais ça qui est certain jusqu'à présent séance l'a déroulé et en attendant que Bua les prend disposition pour capable reprendre séance ça et poursuivre avec l'autre point qui gagne dans ordre du jour là et là le temps que nous arrivons dans point 3 pour le moment nous non suspension de séance et suspension de séance ça lui-même l'IPRAL entraîner Sanrele, création du moins constitution, une commission assez spéciale, une commission spéciale qui a bien pour capable de travailler, de enquêter sous statut 4 parmi 5 ministres qui intégrent le cabinet ministériel là, après que nous connaissons et qui ont un remaniement ministériel qui s'est fait récemment là. Mais ça qui est certain, et il faut rappeler que le gouvernement, lui-même, lui présent en entier, tout ministre présent, et ainsi que certains directeurs et généraux, ils présent là, et le premier ministre lui-même, lui présent avec cabinet, lui tout, en dans l'Assemblée, le temps que séance lui reprend, côté que député interpellateur a bien pour capable exposer motif interpellation, hein, et tout de suite après, 16 députés ont fini exposer motif interpellation. Hein. C'est quoi tout chef gouvernement, on a parlé de Dr Jacques Guy Lafontaine, qui a bien lui-même pour capable faire intervention parle. Et après intervention premier ministre, député interpellateur a bien pour retourner sous tribune. Hein, pour venir réagir et c'est après réaction député c'est quoi le tour de l'Assemblée pour capable faire débat pour capable réagir et là ça qui certain hein, je me dis là et c'est en font suspendre pour le moment le temps que 4 présidents de bloc ça même désigné monde qui pourra le représenter à l'intérieur de commission ça commission qui a bien pour le travail sous statut 4 ministres qui indexé en dedans indexé en dedans correspondant ça que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a adressé par le bureau de la Chambre des députés pour dire que les 4 ministres quittaient des gestionnaires ou du moins des ordonnateurs et là c'est
c'est ça que t'apprends et occasionner suspension de séance. Pour le moment, j'en dis la décor là, l'environnement ambiance là, les toujours ambiance qui assez agréable pour la simple bonne raison que ces concertations, ces consultations entre les honorables députés à l'intérieur de salle de séance ça, et ces moments tout côté chaque député a essayé de faire valoir prendre vue par rapport à l'autre député et le temps que merci de prendre place s'il vous plaît. Deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Et voilà, et si je fais référence à l'appel que le président Garibaldi lance là, c'est à va reprise séance. Merci, chers collègues, de regagner vos places, s'il vous plaît. Vicasson. Merci. On reprend, merci. On reprend. Ceci a été fait. Thank you.
Remettez les spectateurs, Jean-Noël là, et là, nous t'as supposé, après suspension de séance, nous t'as supposé rentrer dans le 33, qui c'est le mot du président. Là, nous devons faire référence à la présidente de la Chambre des députés, on a parlé de l'honorable Gary Baudot, député de la commune d'Elma. Suspension de séance, lui-même, lui fait, c'est suite. Pour capable créer, c'est pour capable créer une commission spéciale pour le travail, pour dresser un rapport, sous une correspondance que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif t'a adressé à Bureau. Pour informer, son correspondance responsive, pour être informé que sous demande 16 députés. Et qui demandait pour la quoi t'es capable de bailler statut 5 nouveaux ministres qui intégraient le gouvernement, qui demandaient statut, et bien la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif lui-même lui fait réponse et dans la correspondance à lui informé bureau que il y a 4 ministres qui sont des anciens ordonnateurs et de là. Et le président Gary Baudot lui-même, il t'a sollicité en suspension de séance le temps que lui consulter 4 présidents de bloc qui gagnent dans la Chambre députée, plus un député indépendant qui c'est député Jean-Marcel Dumiran. Et là, tout de suite après consultation, ça, il t'a pas demandé le deuxième secrétaire là pour capable article 118 de la Constitution. Merci. Et puis article 49 et 50. Dans le règlement intérieur, Chambre députée, et après lecture de article 118 et article 49 et 50 des règlements intérieurs, le président Tapral mandé assemblée pour capable désigner, ou du moins si Tapral mandé à président de 4 blocs SAO pour capable désigner chaque yon monde pour aller représenter bloc SAO à l'intérieur de yon commission spéciale qui prend le travail sous dossier 4 ministres que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif lui-même l'y indexé en dedans correspond à ça. Et là, et discussion toujours campée dans le niveau ça à côté dans les constitutions de commission SAO. Et le temps que le président de 4 blocs SAO lui-même, yon entendu pour capable désigner un représentant par bloc, ça qui prend le barou, 4 commissaires pour capable constituer commission spéciale. Merci. Qui prend le travail sous dossier 4 ministres SAO que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Merci de prendre place, s'il vous plaît, puisque c'est une séance spéciale d'interpellation. Les nerfs sont à fleur de peau. Je comprends la situation. Les intérêts sont légion dans cette salle. Donc, merci de prendre place, s'il vous plaît. Donc, merci, deuxième secrétaire, de donner lecture du prochain point de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mot du président. Merci. Merci, honorable collègue député. Merci, collègue Bossé, s'il vous plaît. Quittez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Quittez-moi avancer.
La parole vous sera accordée, collègue, au moment opportun. La parole vous sera accordée. Non, la parole vous sera accordée. Vous êtes inscrit, non, vous êtes inscrit. Justement, on va avancer. On va avancer. Merci. Merci, collègue Luméen, avec la sagesse qu'on vous connaît. Merci. Et comme nous venons de le mentionner, donc c'est sûr qu'il y aura une commission spéciale qui sera formé conformément à la Constitution et nos règlements intérieurs à la plus prochaine séance. Cependant, je rappelle aux collègues Bossé, s'il vous plaît, que nous sommes dans une séance spéciale d'interpellation. Sur ce, je demande au deuxième secrétaire à nouveau de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour. Merci. Et en ce qui concerne La parole vous sera accordée au moment opportun. Merci. Merci. Collègue Bossé, êtes-vous dans un état de droit? Donc, si vous êtes dans un état de droit, vous n'êtes pas la police de la séance, c'est le président. Donc, Asseyez-vous, collègue. Donc, en ce qui concerne les quatre ministres qui ont été indexés dans la lettre de la Cour supérieure des comptes, donc pour les quatre ministres qui ont été indexés, ces quatre ministres n'ont pas le droit d'intervenir dans le débat. Donc, un instant, asseyez-vous. Donc, les quatre ministres, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une séance d'interpellation qui est une séance de questionnement. C'est sûr que les ministres vont apprendre la parole. Puisque les quatre ministres sont indexés. Merci. Laissez-moi terminer. Collègue Bélange, s'il vous plaît. Collègue Bélange, s'il vous plaît.
Collègue Bélange, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas demander la parole au moment où j'interviens, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, merci. Ok, les quatre ministres ne pourront pas intervenir dans le débat. C'est la première considération. La deuxième considération, pour ramener la sérénité, dans la salle, nous allons demander au député Gladys, député Austin, de collègue Benoît, de raccompagner